Bonjour. I'm going to run through the pronunciation for you for some key verbs in five different tenses. Use this video to pause and practice your own pronunciation. Remember how important it is that we pronounce our different tenses correctly, otherwise they can be confused with each other. What I will say is the English, followed by the infinitive in French, then the present tense, the perfect tense, the imperfect tense, the first version of the future, which is called the futur proche, the near future, and the second version of the future, which is called the futur simple, or the simple future. To play, jouer, je joue, j'ai joué. Je jouais. Je vais jouer. Je jouerai. To go. Aller. Je vais. Je suis allé. J'allais. Je vais aller. J'irai. To watch. Regarder. Je regarde. J'ai regardé. Je regardais. Je vais regarder. Je regarderai. To wear. Porter. Je porte. J'ai porté. Je portais. Je vais porter. Je porterai. To eat. Manger. Je mange. J'ai manger. Je mangeais. Je vais manger. Je mangerai. To drink. Boire. Je bois. J'ai bu. Je buvais. Je vais boire. Je boirai. To do. Faire. Je fais. J'ai fait. Je faisais. Je vais faire. Je ferai. To listen. Écouter. J'écoute. J'ai écouté. J'écoutais. Je vais écouter. J'écouterai. To read. Lire. Je lis. J'ai lu. Je lisais. Je vais lire. Je lirai. To speak. Parler. Je parle. J'ai parlé. Je parlais. Je vais parler. Je parlerai. To like. Aimer. J'aime. J'ai aimé. J'aimais. Je vais aimer. J'aimerais. To meet. Rencontrer. Je rencontre. J'ai rencontré. Je rencontrais. Je vais rencontrer. Je rencontrerai. To go out. Sortir. Je sors. Je suis sorti. Je sortais. Je vais sortir. Je sortirai. To stay. Rester. Je reste. Je suis resté. Je restais. Je vais rester. Je resterai. To buy. Acheter. J'achète. J'ai acheté. J'achetais. Je vais acheter. J'achèterai. To study. Étudier. J'étudie. J'ai étudié. J'étudiais. Je vais étudier. J'étudierai. So, these are five different tenses for some key, very useful verbs.
I hope it's been useful for you to practice your pronunciation. Don't forget, we've had them there in the English, the infinitive, so you might use these after a modal verb, the present tense, which is happening now or usually, the perfect tense, which is a completed action in the past, the imperfect tense, which is an ongoing action or a habitual action in the past, the near future, I'm going to, and the simple future, I will. Keep practicing, get your pronunciation spot on. Bon courage!